Bonsoir à tous, c'est le débrief aujourd'hui, deuxième journée ici à la Seyne-sur-Mer. On est avec Fabien Henry. Salut Fabien. Hello. Fabien qui est rentré hier en vainqueur après l'étape de ralliement sur le bateau Groupama 34. Une expérience que tu connaissais déjà puisque l'année dernière, tu avais remporté ici même le Tour de France à la voile 2012. C'était un autre bateau, c'était un autre été, mais j'imagine que c'est toujours la même sensation quand on rentre en vainqueur ici à la Seyne-sur-Mer. Oui, bah, l'an dernier, on était arrivé second l'étape à la Seyne et puis du coup, c'était la ville arrivée, on avait gagné le Tour avec TPM. Et cette année, bah, on arrive vainqueur de l'étape et puis on gagne le Tour aussi quelques jours avant la fin à la Seyne. Donc dans mon pays natal, hein, vu que je suis né à Toulon. Donc c'est toujours sympa d'arriver en vainqueur chez soi. Et puis on a toujours envie de bien faire en arrivant à la maison. Et on a vu aujourd'hui encore Groupama 34 aux avant-postes avec une belle victoire dans l'un des parcours techniques du jour. On voit qu'on ne lâche rien sur Groupama. Franck nous l'a dit hier, il va jouer sur tous les classements. Oui, exact. Je pense que bon, c'est une équipe professionnelle. Hein, il faut qu'on continue à être à fond jusqu'à la fin. On est un peu plus détendu forcément vu que mathématiquement c'est gagné. Et l'idée c'est de consolider demain notre classement course au large et du coup d'être en tête de ce classement à l'arrivée à Marseille. Avec le bateau Bretagne qui ne lâche rien non plus. Bon, c'est sûr, il y a une lutte pour le podium. Nous aussi c'est difficile de naviguer en sachant qu'on a gagné et on ne veut pas trop non plus s'immiscer dans le podium. Voilà, dans la lutte pour le podium. Donc nous aujourd'hui on a navigué un peu sur la réserve et demain on va faire le max pour gagner la dernière étape et j'espère que la lutte finale pour la deuxième place sera belle. Et ben on va compter les points demain soir à Marseille et puis encore après-demain parce qu'il y aura encore des parcours techniques. Voilà pour l'étape du jour. On va tout de suite aller s'intéresser à deux prétendants pour la deuxième place, Nicolas Troussel et Daniel Souben. C'est tout de suite, c'est maintenant. L'équipage aujourd'hui avec un S, puisqu'on accueille le bateau Bretagne Crédit Mutuel Élite avec Nicolas Troussel. Salut Nico. Salut. Et puis Daniel Souben avec le bateau Courrier Dunkerque 3. Salut Daniel. Salut. Avec un petit point d'écart, 1108 points pour Bretagne, 1107 points pour Courrier Dunkerque. Je me trompe pas, c'est ça hein? Alors, j'ai pas fait le calcul, je sais juste qu'on a un point d'écart effectivement et qu'on était à égalité ce matin, donc c'était très serré. Un petit point de perdu, mais la lutte est toujours acharnée, hein, Daniel. Oui, la lutte est acharnée. J'espère que ce point perdu aujourd'hui, on va pas le regretter à la fin parce que ça peut se jouer peut-être au point près. Ouais. Avec Bretagne, Nicolas, c'est stressant d'avoir un compétiteur comme Daniel derrière soi qui grappille, qui est de mieux en mieux quand même dans ce tour, j'ai l'impression. Ouais, enfin, il a toujours été présent aux avant-postes et c'est sûr que c'est intense et c'est en tout cas passionnant à vivre. C'est une fin de championnat qui va être... j'espère magnifique et puis on verra le meilleur va gagner à la fin. Alors toi tu as une double pression parce que Franck Hamas a dit qu'il voulait avoir tous les classements donc il va essayer de te gravir celui dont tu es le leader et puis il y a aussi Daniel qui est derrière pour essayer de passer deuxième à ta place. Comment on gère tout ça? C'est quoi les priorités? La priorité c'est la deuxième place au classement général évidemment et puis après le Spivert on verra bien mais je crois qu'il a déjà un peu d'avance donc on va pas s'acharner là-dessus. Et puis du côté de Daniel, la priorité c'était la victoire. Bon, maintenant on sait que depuis hier soir c'est plus jouable. Donc c'est vraiment de battre Nicolas. Oui, on savait que depuis plusieurs jours déjà que ce serait dur d'aller chercher Groupama. Donc effectivement, il y a une belle lutte pour la seconde place. Donc l'objectif il est là maintenant. Tout va se jouer à Marseille. C'est un plan d'eau que tu aimes bien? C'est un plan d'eau, oui, on va souvent régater sur ce plan d'eau, donc je pense que ça dépend un peu des conditions qu'on a. Hein. Si on a des régimes de brise thermique, tout va bien. Si c'est très aléatoire, ça sera compliqué pour les deux bateaux parce qu'à ce moment-là, tout peut se passer. Quoi. Vous l'avez compris, ces deux hommes vont se battre pour la deuxième et la troisième place du Tour de France à la voile 2013. On va suivre ça, bien sûr, demain. À partir de demain, ça sera à Marseille que ça se passera. Continuez à suivre l'actualité, bien sûr, du Tour sur tourvoile.fr. Bonne nuit et bonne préparation pour vous, messieurs, demain.